Hello hello et bienvenue pour une nouvelle vidéo en Corse. En fait, je vous ai fait un petit sondage sur YouTube il y a quelques jours pour vous demander si, du fait que tout le monde sur YouTube ne me suivait pas forcément sur Instagram, bah, si ça vous ferait plaisir que je vous mette tout ce qui s'est passé sur Instagram dans une vidéo. Donc j'ai repris tous les petits moments super sympas, je vous ai fait une petite compilation jour après jour et je vous ai ajouté des petits moments exclusifs que vous n'avez vus ni sur Instagram ni sur YouTube pour le moment, que j'ai filmé avec la nouvelle petite caméra que j'emporte partout. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et je vous envoie tout ça tout de suite. Oh mais non, mais c'est pas possible, je vous laisse 2 minutes avec le bébé et voilà ce que vous lui faites. Oh c'est trop chou. Coucou ma chérie, t'es bien là? T'es bien installée? Oui mon amour. Oh vous êtes trop coquin. Non là je suis pas sûre que ça va tenir. Mais elle était partante hein. Trop mignon. On vient de petit déjeuner et Jessie s'est endormie. Et malgré le bruit, eh ben elle continue à faire sa petite sieste du matin. On vous retrouve sur le petit port de Toulon. Ça sent bon tout ça. Ça se rapproche. Ça se rapproche grave. Mais bon, on est tellement prévisible. Bah oui. Je suis sûr que vous savez déjà. Bah oui. Vous savez ce qu'on vient faire ici. Franchement, j'ai trop hâte. Grave. J'adore parce que Jessie a toujours ce petit tic de se caresser la joue comme ça quand elle est fatiguée, qu'elle va faire la sieste et ça me fait craquer. Mais on est où? On est sur un gros bateau. Oui, on est dans le bateau. C'est trop chouette ça. Oui, on va voir à quoi ça ressemble de dehors. Allez, c'est parti. Oui. La balade. Première fois sur le ferry. Trop choupi. Alors? On est à l'air, t'as vu? Oui. Regarde, on voit la mer. On voit la mer. Wow. C'est chouette, dis donc. Oui, ça te plaît. Coucou. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Ah. Elle fait coucou. Oh, elle nous fait craquer. Oh là là. Allez, on va faire un petit tour sur le pont. Oui. Oh, elle a rattrapé la tute. C'est parti, en voiture. Allez. Il y a du vent, mais il fait beau. On va voir si on arrive à aller à l'étage au-dessus parce que là on peut juste sortir sur les côtés. On va voir si on peut aller plus haut et dehors. Et on vous retrouve déjà dans la cabine parce qu'en fait c'est la première fois qu'on monte sur ce bateau là de la compagnie Corsica Ferries. J'ai mon sac qui me tombe dessus en fait dans le dos. Comment il s'appelle celui-là? Esmeralda? Je sais plus quoi, Esmeralda. Et il est beaucoup moins drôle au niveau du pont, ou en tout cas pour le moment, parce qu'au niveau du bar panoramique, c'était pas ouvert. Donc je sais pas si ça va ouvrir, étant donné que bah, à bord du bateau, tout le monde a les masques et tout. Je sais pas trop si tout sera ouvert ou s'il y a des choses qui vont rester fermées. On retournera voir un petit peu après. Oui mon amour, tu veux faire coucou? Oh, t'es trop mignonne. En fait, elle a fait coucou quand je vous parlais, c'est trop chou. Et donc voilà, mais elle continue. Oh, t'es trop chou. Et tu danses maintenant. Oh là là, trop mignonne. Regardez la place de choix que Josh nous a trouvée. C'est trop classe. On est dans un petit salon avec vue sur l'eau, sur le port pour le moment. Oh là là, on va être trop bien. On va pouvoir boire un petit truc. Bon bah du coup, on va... Coucou, je vous retrouve du petit salon du coup où nous sommes installés. Juste pour vous dire que d'ici quelques temps, quand vous ne verrez plus de story et que je ne répondrai plus du tout aux messages, etc., bah, c'est parce qu'on va finir par perdre le réseau comme à chaque fois qu'on est en mer. Du coup, on vous retrouvera demain matin. Mais on ne sera pas au même endroit du tout. Trop hâte. Bien arrivé, ça fait du bien de voir ce paysage. On a aussi une petite Jen sur l'écran. Et le reste de la famille est là. Coucou. Bon,
Première mission du matin, petit déjeuner, on a faim. Oh, tu fais coucou, mon amour. Elle est trop choupie. Et oui, je suis complètement gaga. Coucou les filles, coucou chérie. Bah, où est-ce qu'on va? À la plage. On va à la plage pour la première fois tous les cinq. Oui chérie. Ça y est, on est au bord de la mer. J'ai Poupi dans le dos. Je vais l'enlever pour pouvoir lui mettre les pieds dans l'eau, dans le sable et tout et tout. Il arrête trop bien, tu regardes, hein? Ouais, c'est chouette. Coucou Josh. Ah oui, étape crème solaire d'abord pour commencer. On en profite pour faire un petit test de la Ivy Rec de Canon. Ça va, Jessie? Ouais. C'est trop cool l'eau? C'est chouette. Oui, mon cœur. Oh là 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 là. Oui, moi c'est pas. Oui, c'est rien. Les premières vagues. Ouais. Je crois qu'elle aime ça. Ça c'est chouette alors. Une des choses qu'on a emmené avec nous pour Baby, c'est ce rehausseur qui peut s'adapter sur toutes les chaises. C'est super pratique et comme ça, bébé est à table avec nous. Oui, chérie. Après la plage, direction le ravitaillement. On va faire quelques courses pour avoir de quoi manger, boire, prendre le petit déjeuner tranquillou à la maison. Donc c'est parti. Ça y est, on est revenu du ravitaillement. C'est trop cool, on va pouvoir prendre des super petits déjeuners. Et pas que, parce qu'on a acheté plein de bonnes choses. Je crois qu'elle est partante pour goûter. On vous montre ça tout à l'heure. Et sinon, vous avez été quelques-uns à reconnaître où nous nous trouvions. C'est vrai qu'on avait tellement apprécié où est placée cette maison en fait. Le fait de pouvoir aller à la plage à pied, c'est juste carrément canon. Juste que cette fois-ci, on est installé un petit peu différemment, puisqu'il y a les affaires également de Jessie. Mais on vous montrera bientôt dans un vlog un petit peu plus comment on s'est tous installés et surtout les petites activités qu'on va pouvoir faire ici, puisqu'on vous a montré qu'on avait un paddle et que normalement il y en a un deuxième qui doit arriver et ça va être trop cool parce qu'avec ça on a décidé que le matin on irait alors soit marcher, soit faire du paddle, enfin voilà, qu'on allait se bouger un petit peu parce que je vous en ai parlé, faut que je raffermisse un petit peu tout ça. Donc je suis trop contente parce que le cadre pour ce genre d'activité est juste parfait, ça va être trop cool. Non mais regardez les couleurs de ce ciel, la vue. Trop cool. Oh mince, il y a trop de lumière tout à coup. Ah, là c'est mieux quand je suis sur toi, on voit bien les couleurs dans le ciel. Et la petite table très sympathique pour ce soir. Laurette, très important. Ouais. C'est vraiment une eau pétillante qu'on aime beaucoup. Du fromage, de la charcuterie corse, un petit vin au passage. Ouais. Et bon appétit tout le monde, je sens qu'on va se régaler. Merci. Oui, tu es là aussi, bien sûr que tu es avec nous pour manger. Allez, bonne soirée tout le monde. On est prête pour aller à la mer. Oui, on a le petit chapeau, la crème solaire déjà sur les épaules, les petits bras, etc. Et c'est parti. Coucou les amours. On est bien dans l'eau avec maman. Thank you.
T'as des vagues aujourd'hui, dis donc. Elle aime bien taper avec le pied. Ouais. Tu fais plouf plouf. Ah, il y a un poisson qui m'attrape les jambes. Trop bien les filles. Attention les vagues. C'est trop bien. Coucou. Le flamant rose, le retour. Oui. Et là, ça va, tranquillou? Il est à l'envers ton donut. Dans ce cas-là, on fait ça. Excellent. Elles sont pas bien là, les filles? Carrément. Ici, c'est l'heure de la sieste pour Poupi. On est bien sur le transat avec maman. Allons. Et c'est parti pour le gonflage du paddle. Que la boutique Mano Mano nous a envoyé. J'ai trop hâte parce que regardez comme il est beau. On dirait qu'il est en bois. Ouais. C'est trop canon comme motif, ça fait naturel. J'ai trop hâte qu'il soit monté, gonflé. Et donc c'est parti. Et bien entendu, avec le paddle, on a la pagaie qui est en plusieurs morceaux. Ouais. On a le leash. Et un petit kit de réparation aussi. Oui, on voit un bout de l'aileron qui est là. Et le mode d'emploi, très important. Bon, faut aller jusqu'à combien de pression tu m'as dit? Un bar. Un bar. On est où là? On est à 0,6. 0,6, bientôt, bientôt. Regardez comme il est trop beau. Alors moi, j'adore. Le paddle, on adore. C'est vraiment un truc qu'on kiffe depuis longtemps. Et alors, il est magnifique. Je suis trop contente. Aileron, c'est bon. Leash. Au cas où, pour pas le perdre, pour l'accrocher à la cheville. Ouais. C'est bon. Il n'y a plus qu'à. Il est magnifique. Oh, vraiment. Waouh. C'est trop cool. Oui. Bon, par contre, tu vas nous laisser la place. Danse. Achou. Alors, il est comment? Trop bien. En plus d'être trop beau? Génial. Et coucou, ma tête du matin, pour vous annoncer qu'aujourd'hui à 10h, donc dans pas très très longtemps puisqu'il est déjà 9h44, il y aura un nouveau vlog, vacances, en Corse, en famille, trop cool. Et ce qui est génial quand on se trouve pas loin de la mer et qu'on peut y aller à pied, c'est que même quand on y a passé l'après-midi, eh ben ça nous prend 5 minutes pour y retourner, pour aller marcher un peu le soir au bord de l'eau, tranquillou. Du coup, là, on y va avec Sam, Jessie et Jen. Josh est resté tranquille dans la maison. On n'est pas bien, là? La couleur du ciel le soir, toujours magnifique. Arc-en-ciel, trop beau. Ah, Jessie, elle fait coucou.
Petit tour terminé. C'était trop chouette. On voit tous les restaurants de bord de plage allumés là. En fait, à travers la caméra, vous avez peut-être l'impression qu'il fait encore super jour, mais en réalité, il fait un petit peu moins jour que ce qu'on voit là. Ah, t'as retrouvé ton copain? Coucou. Doucement, doucement. Il est adorable. Nous, on a un bébé, en fait, il se déplace avec son parc. C'est un parc rampant. Voilà. Voilà, c'est génial. Moi, je m'éclate. C'est trop mignon, cette petite poupie dans les bras de papa. Avec le petit maillot de bain, clé volant. C'est trop chou. Je la vois plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lèche sa bouée. Waouh, il y a des vagues. Oh, dans la figure, ouais. L'eau salée. On a une grande fille, on dit rien. Oh là là. J'étais remontée à la maison pour que Jessie puisse faire la sieste. Elle vient juste de se réveiller. Et je voulais prendre quelques secondes pour vous remercier pour tous les petits mots que vous êtes en train de m'écrire sous mon dernier post. Ils sont tous gentils, ils sont tous bienveillants, ils sont tous remplis d'amour. Et honnêtement, j'en ai eu les larmes aux yeux quand j'ai commencé à les lire. Du coup, je voulais juste vous dire qu'en fait, je suis tellement contente parce que je m'aperçois que ce challenge, ben, ça fait longtemps que vous l'avez accepté. Parce que les commentaires que vous me laissez au quotidien, ils sont toujours bienveillants, ils sont toujours pleins d'amour, ils sont toujours pleins de soutien. Et franchement, je vous kiffe. Vous êtes les meilleurs et merci. Merci du fond du cœur, vraiment. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche. Et du coup, vu que Jessie a terminé la sieste, on s'est préparé pour aller rejoindre tout le monde à la plage. Alors, vous avez été plusieurs à me demander ce que c'était ce porte-bébé en fait et d'où il venait. Alors, je l'avais acheté pour Jen quand elle était toute petite sur eBay. Donc, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on trouve la marque Chimparu. Je ne sais pas si ce n'est pas une marque canadienne. J'ai un doute. Je ne pourrais pas vous dire où la trouver actuellement puisque ça date maintenant. Par contre, ce style de porte-bébé, ça s'appelle un Meitai. Et ça, si vous le tapez sur Google, vous allez trouver plein de marques qui en font maintenant. C'est beaucoup plus répandu qu'à l'époque où moi, je devais aller sur eBay pour trouver ce genre de choses. On va manger et on y va à pied. Et c'est trop cool. Et c'est mon grand frère qui me porte la classe. Et on se retrouve dans un de nos petits restaurants préférés avec une vue qui est juste superbe. Et en plus, on y mange toujours très très bien. Et regardez l'ambiance à l'intérieur, c'est trop joli. On adore vraiment cet endroit. T'es super bien placé, toi. Ouais. La pizza de Jen du menu enfant est trop belle. Oui. Et ça, c'est celle de Josh. Et moi, j'ai pris une petite salade César. Regardez comme elle est belle et bien présentée. Et si vous voulez voir le plat de Sam, il faudra aller voir ses stories. Parce qu'il ne veut pas que je fasse une story avec son plat. Oupsie. Sympa, ces petits desserts. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pareil, la présentation est juste canon. Donc, pour info, Sam a pris un baba au rhum, aux agrumes. Et moi, ce sont des profiteroles.